pense beaucoup à la mort ces temps-ci. Ah, je te dirais que moi aussi. J'ai bien du monde, en fait. Hein. Mm. Toi, tu penses à quoi? Ben, c'est juste que je réalisais qu'on devrait toujours être prêt à mourir. Ouais, c'est normal. C'est surtout que j'ai passé toute ma vie à avoir peur de mourir. Puis ça m'angoissait tellement que j'ai pas été capable de vivre ma vie pleinement. Moi, tu vois, je vis ma vie de façon à ce que, à chaque soir, je me dis que je peux mourir, je peux jamais me réveiller, là. Puis c'est bien correct. Ouais, je comprends. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je parle de ça à quelqu'un, on me reproche toujours d'être trop éveillée. Tu sais, genre déprimante ou suicidaire. Mais au contraire, à part le monde qui va vraiment mal, on devrait toujours associer la mort à un sentiment de plénitude. C'est juste que je ne l'ai pas encore totalement. Ouais, t'inquiète pas, hein, je trouve pas ça négatif ce que tu me dis. Mmh. Non, non. Si, supposons que t'es pour mourir dans 2 heures. Et tu veux dire qu'il me reste juste 2 heures, that's it. Ouais, t'as juste 2 heures pour te préparer. Non, je pense que je ferais exactement la même affaire que je fais là. J'ai entendu plein de monde dire « Ah, oh, je ferais toutes les drogues possibles, je pèserais n'importe qui. » C'est pas moi, ça. Moi, en tout cas, j'irais dans les extrêmes. Hein? Non, je me dis, écoute, si j'ai le goût de relaxer, là, ben je vais relaxer pareil, même si je crève dans 2 heures. Pis si t'aimes une fille depuis longtemps, tu veux dire que tu l'aimes, tu ferais-tu? Là, c'est encore une situation où la réalité est un petit peu plus forte que ma manière de penser. Mais j'imagine que faudrait que je lui dise que je sois sur le point de mourir ou non. Mais si on s'était pas rencontré il y a 2 minutes, t'aurais certainement été une personne à qui j'aurais aimé dire. Moi aussi. Les fragments s'en viennent, j'ai que ça. Ça fait 14 mois qu'on se prépare et je commence à m'amuser. Je t'avoue que j'ai une petite pensée pour toutes les personnes qui sont à l'autre bord de la planète, qui sont en train de manquer le show. Ah, t'es tellement mon genre.